les parents sont derrière. Quand je vous donne les noms, vous-même, vous pouvez définir le reste. Je ne vais pas rentrer dans ça. Les parents sont responsables parce que si tu parles, il y a un parmi eux qui s'est retourné, qui a dit à ses amis, moi, ma grand-mère m'a dit de ne pas rester, de revenir au pays. Ça veut dire que ses parents ont contribué qu'ils se retournent là. C'est les parents aujourd'hui qui poussent ses enfants à partir et à ne pas revenir. Mais le bonheur, elle se trouve là aussi. Nous qui sommes là, est-ce qu'on vit en Europe ou aux États-Unis? Vous qui êtes là. Je vous dis ici, notre gros problème, c'est des parents. Il y a un parent d'un handballeur qui m'a dit, j'ai pris son enfant 8 ans en charge. 8 ans, quand je vous dis 8 ans. Payer la scolarité. Qui a osé m'appeler au téléphone, dire que tu n'as rien fait pour mon enfant. J'ai pleuré, mes larmes sont descendues. J'ai des SMS ici. Les SMS même de paiement de la scolarité de sa fille pendant des années. Elle me dit, le papa me dit, tu n'as rien fait pour ma fille. Rien, j'ai dit, je n'ai rien fait pour ta fille. Oui, je n'ai rien fait pour ta fille. Mes larmes ont coulé comme un enfant. C'est pour te dire que l'ingratitude, beaucoup d'enfants ne sont pas responsables de ce qui se passe. C'est parce que c'est les parents qui les poussent. Si tu es maudit, reviens. Si eux, ils sont de notre côté, si eux, ils sont là pour nous aider, il est très facile de maîtriser ces enfants. Mais si ton père te dit, tu es maudit, reviens au pays, tu as vu la souffrance, il y a quelle souffrance qui peut amener quelqu'un où ton billet, on a acheté près de 6 000 $ de dépenses pour ton billet. On va, on te loge. Qu'est-ce qui est plus noble que tu vas dans un pays, tu es logé dans un hôtel de 5 étoiles, tu viens, tu es sécurisé, tu as tout et que tu reviens. Pourquoi je suis fier des filles? Beaucoup de filles, à travers l'argent qu'elles gagnent, ont stabilisé leur famille. Qui me demandaient régulièrement de l'argent. Mais des filles que leurs filles ont réintégré des différentes sélections ici, qu'elles font des voyages et reviennent, je ne vois même plus leur maman. Parce que leur fille vient leur donner de l'argent qu'elle gagne. Et puis ici, quand tu viens, je ne vois pas qu'une handballeuse qui vient jouer au handball rentre les mains vides, se gèle tous les jours. Tous les jours, leur transport et leur manger, on les donne ici, par joueuse, quel que soit le nombre. Ça les rassure.